Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 17 juillet déjà 2024. Comme je vous l'ai dit, la petite vidéo de la semaine pendant que je termine mon petit repos, mon petit congé, qui je vous avoue fait le plus grand bien, il y en avait grandement besoin. Voilà, donc pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, je commence à essayer de répondre, mais j'essaie de profiter du dernier temps de repos qui me reste. C'est très rare chez moi les vacances, c'est-à-dire que en principe ça n'existe pas. Pas du tout, c'est voilà. Donc pour une fois, j'en profite, je me repose, il le faut, et je profite aussi de Tic et Tac, de la famille, ça fait du bien. Bref, aujourd'hui, étant donné que c'est notre dernière vidéo des vacances, je pensais laisser les cartes nous guider, les laisser choisir le thème de cette vidéo, en tout cas les laisser nous parler librement, nous donner les informations qu'elles souhaitent nous faire passer. Je pense que ça peut être sympathique parce que c'est vrai qu'on leur pose beaucoup de questions à ces fameuses cartes, mais on les laisse peu s'exprimer, ce qui parfois peut être tout de même intéressant et peut-être nous amener quelque chose d'un petit peu différent. Donc allons-y, pardonnez-moi, je vais essayer de baisser la caméra, mais vous savez, j'ai pas mon matériel habituel, ça peut être un petit peu branlant, Voilà, allez, on va y aller. Là, j'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez avoir une vue assez potable. On va mettre comme ça, on va essayer de pas trop bouger. C'est un petit peu archaïque, mais peu importe. On fait, comme on dit, avec les moyens du bord. Allez, j'ai pris beaucoup de cartes du Divine Actu. C'est bien sûr ce jeu que l'on va questionner en premier. Allez. Hop, alors avec le micro posé comme ça, j'ai pas l'habitude. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Je vous promets rien, mais je vais tenter. Là, on fait un petit peu de place. Hop. Là, allez, on y va. Hop, et voilà, allons-y. On va mettre comme ça, histoire que vous ayez un maximum de place quand même pour voir le tirage. Allez, hop, on y va. Alors, on nous parle d'arrivée, d'ouverture. L'accusation. On va accuser une symbiose, une fusion. On va accuser, vous voyez, un lien. Des remords. J'ai quelque chose de dévastateur. Là, si vous voulez, on a... Excusez-moi. Ça étouffe, en fait, ça étouffe. J'ai vraiment la sensation comme un étranglement, un étouffement. J'ai l'impression qu'on va commencer à accuser des liens, des partenariats, d'accord. On va avoir des accusations. Beaucoup de personnes vont être accusées, parce que là, vous voyez, on a cette symbiose. Donc, on a au moins un couple, on va dire, deux entités, mais pas que, je pense, qui vont nous dire avoir des remords, mais qui auront provoqué l'Armageddon. Ok, donc on va questionner un petit peu tout ça. C'est quoi cette arrivée, cette ouverture? C'est une tempête, une tempête qui va se déchaîner, j'ai ma petite idée, mais... Parce qu'on a eu confiance. La tempête va se déchaîner parce qu'on a eu confiance. Je pense que c'est en la science, mais on va voir. J'ai l'Europe. Quelque chose qui... Un trafic, quelque chose qui a circulé dans toute l'Europe. On a quelque chose d'européen, d'accord? Une tempête qui va se déchaîner parce qu'on a fait confiance à l'Europe, d'accord? Quelque chose qui a circulé dans toute l'Europe, ça va déchaîner une tempête. Sur cette accusation. Ah, il y en a deux. École, éducation. On a quelque chose, si vous voulez, c'est comme un raz-de-marée.
Ici, avec le nucléaire, si vous voulez, ça m'évoque comme un champignon nucléaire, c'est-à-dire qu'on a une frappe, quelque chose qui est ciblé, et derrière, on a toute l'onde de choc en fait qui va se répandre. Et là, on parle d'école d'éducation. D'accord. Si vous voulez, derrière ça, derrière cette accusation, hein, cette tempête qui se lève par rapport à ce qui a circulé en Europe, par rapport à un trafic, ça peut être aussi par rapport à l'énergie, tout le sketch qu'on nous fait par rapport à l'énergie. Et les consommateurs, bien sûr, en paient le prix fort. Ici, on a également quelque chose, vous voyez, à l'école, on a des accusations, hein, ça va faire une onde de choc également. On a les reptiliens qui prennent place à l'école, le sang-froid, le sans-émotion, pour balayer la foi chrétienne, pour balayer toute foi, pour balayer le principe christique. Là, je pense bien sûr, c'est comme un tout, j'ai l'impression que là, c'est un tout, on a tout qui vient en même temps. C'est-à-dire à la fois, voyez, on a remords, hein, mais ces liens qui sont là parce ils veulent provoquer l'Armageddon, ceux-là vont être exposés parce qu'on a des accusations, voyez-vous. Là, l'Armageddon, c'est-à-dire une forme de, c'est un désastre, c'est un anéantissement de l'humanité. De l'humanité aussi dans le cœur, voyez-vous, dans la notion d'humanisme, j'aime pas trop ce terme-là, mais dans le sentiment humain. C'est quoi là cette symbiose, cette fusion? De la repentance. Oui, on va se repentir, hein, pour être tranquille. Hein. Ils vont nous dire on savait pas, hein, on pensait au bien, d'accord, pour être tranquille. Et j'ai l'impression que, voyez-vous, ce qui s'est passé, j'ai à la fois ce sentiment de pain de mie, ah, il y a Minou qui vient me voir, de pain de mie et de ce qui va se passer au niveau de l'éducation, hein, à la soi-disant vie affective. Ah, j'ai les serpents qui sont là, hein. Les serpents vont essayer de se repentir, hein. Les serpents qui font de la magie noire, qui inoculent des petites potions pas top top, hein, qui mettent des idées dans la tête des petits, plutôt relevant des principes du corps nu, on est là-dedans, d'accord? Là, on est vraiment là-dedans. Par contre, on nous dit que bientôt ils vont être révélés, puisqu'on a l'accusation, et qu'ici on avait l'ouverture, l'arrivée, hein, donc là ça va être révélé. En tout cas, de plus en plus de personnes ouvrent les yeux, et eux, bien sûr, vont essayer de s'en tirer à bon compte en disant nous ne savions pas. En revanche, sur ces remords, qu'avons-nous? Naturel. Sérénité. Ceux qui seront restés eux-mêmes, hein, dans le naturel, qui n'auront pas été modifiés, on va le dire comme ça, eux vont être sereins. Et si vous voulez, n'en auront rien à fiche de ces remords non plus. Ça ne les concernera pas. J'ai de l'agressivité. Ouais, parce qu'ailleurs, il va y avoir de l'agressivité. Et qui va. Hein? Contre eux. On a tout ça qui ressort, d'accord? Les personnes qui ne se sont pas fait modifier, elles vont être tranquilles quelque part, elles sont pas tellement concerné par ce qui va être révélé, par ce qui va sortir. Par contre, là, il y a une agressivité, une rage qui va déferler contre eux. Et sur l'Armageddon? Ça, il va falloir qu'on fasse un tirage quand je serai rentrée. Ça sort tout le temps. Je pense qu'il y a des révélations qui vont arriver pêle-mêle sur les poisons, sur les piquettes, sur ce que l'on veut mettre dans la tête de nos petites têtes blondes. Mais le principal, ça va être là-dessus, sur ce qui s'est passé au niveau des tours jumelles. On va dans une période, une vraie période de révélation, l'hiver, on nous dit sur l'hiver, même si vous savez que le temps, hein, pincette à temps, les amis, hein. Destruction. Va régner un climat de destruction. D'accord? De l'état des profondeurs, je pense, parce qu'on va apprendre des choses là-dessus. On a voulu créer quelque chose. Là, je vais fouiller un peu plus, hein. Politicien. Ça va détruire, on va avoir un climat, si vous voulez, où on va vouloir mettre à terre les dirigeants, d'accord? Ceux qui nous bafouent, ceux qui nous mentent, ceux qui veulent nous détruire, et principalement lui. L'hiver, il va être tendu pour Magouillon, hein?
Je pense qu'on appellera cette vidéo un climat de révélation. On parle de pauvreté. Arrêt au sol. Voyez là ce qu'on nous dit? Et si on est en train d'arroser les pauvres, les gueux, les manants, nous, d'accord, à toute vitesse. Par quoi? Par In the Sky. Et vous le voyez d'ailleurs derrière moi, voilà, quand je relèverai la caméra. Ce matin, ici aussi. C'était joli, hein, on aurait dit, vous voyez, des lignes de natation, très bien organisées, hein, très parallèles, voilà, magnifique. La joie. Et on nous joue un cinéma de joie, hein? D'accord, vous n'aurez rien, vous serez heureux, voyez-vous? Hein, on nous joue ce cinéma de c'est pour votre bien. On fera une vidéo la semaine prochaine aussi sur le passe-passe JO. J'ai un scandale. Mais j'ai quand même des scandales qui éclaboussent la justice. J'ai envie de, vous savez que je l'appelle la juge du vice. On a une forme d'injustice qui va être mise à l'écran. Je vais prendre l'oracle des temps mécaniques pour voir. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Un instant, pour voir ce qu'il nous dit sur ce climat de révélation. Hop, quel va être ce climat de révélation? Vous voyez, je fais tout tomber. On va y arriver. Hop, l'automne. Le temps. Ah, c'est quelque chose. On est à la fin d'un temps. Hein. Là, on nous dit qu'on est à la fin d'un temps. L'oiseau, donc les communications, les informations vont sortir de leur cage. D'accord? On est à la fin d'un temps où les secrets sont gardés, hein? Où les secrets sont enfermés dans leur cage. Sur l'automne, j'ai la voyante, la couronne. Ouais, donc on est bien à la fin d'un pouvoir, voyez-vous, hein? Et on le ressent. On est sur la fin d'un pouvoir et on le ressent. Le vélo, j'ai la nouvelle. La grand-mère. Hein. On a quelque chose qui arrive avec la grand-mère des temps passés, quelque chose de protecteur. Je vais reprendre deux cartes. La justice et le grand-père. On a une justice qui revient de loin. Donc soit une justice populaire, soit une justice comme avant. C'est-à-dire on se fait justice soi-même. Ou bien on retourne à une forme de véritable indépendance de la justice. En tout cas, une réforme en profondeur où on revient à quelque chose d'antan, à quelque chose d'avant. Parce qu'il est clair que même s'il y a des révélations, ça n'est pas avec la juste du vice d'aujourd'hui que cela portera à bien grand-chose, hein, sur le temps. Le train en gare, on a le train, on a quelque chose qui est sur le point de partir pour rétablir un équilibre. La musique. On va nous donner l'ère des connaissances, l'ère des vérités, l'ère de ce qui était caché. Sur le roi, bah tiens donc, l'enveloppe à la nouvelle. On va en apprendre beaucoup sur Magouillon. On va en apprendre énormément sur Magouillon. Et peut-être aussi sur les enveloppes, sur les dessous de table. Hein. Sur l'oiseau sortant de la cage. On a une feuille de laurier. Donc c'est quelque chose, vous voyez, ces vérités qui vont sortir. Ça va être une chance pour nous. Hein. Ça va concerner la santé aussi, hein. La médecine, les étoiles, on a un espoir. Ouais, on a un espoir peut-être de renverser les choses, mais ça viendra pas de chez nous, ça viendra de loin. En revanche, par contre, on a des révélations là-dessus, du coup, avec le déplacement et les étoiles qui viennent, mais par l'étranger, pas par chez nous. La rose.
Ça va être une coalition qui nous offre ce cadeau, un groupe de personnes qui nous offre ce cadeau. Un cadeau, un travail qui aura été fait pour comprendre ce qui s'est passé et nous permettre de nous sortir de la cage, pour nous permettre d'avoir ces révélations, pour nous permettre d'avoir ces connaissances. En conclusion, j'enlève ces cartes-là pour pouvoir avoir de la place, que vous puissiez voir. L'araignée, la toile, la pomme de pin, là où on enfermait hein, la connaissance, le ressenti, l'intuition. Le jeune homme, le mal absolu, j'ai la pieuvre. On va mettre en relief le mal absolu, d'accord, qu'il y a derrière ce jeune homme qui a voulu nous enfermer notre clairvoyance, notre sens du discernement. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses sur Magouillon, hein, le jeune homme, là, pour moi c'est Magouillon, hein, le roi, il était ressorti en roi tout à l'heure. Hein. On va mettre en relief le fait qu'il incarne le mal absolu. Et ça, qu'est-ce que ça va donner pour nous? Hop, j'ai pris, je crois que c'est l'oracle de la forêt sacrée, il me semble, que c'est son nom. Ça va donner quoi pour nous, ces révélations? Je comprends mieux, en fait, ce que voulait nous dire le Divine Actu. Je pense que ce vent de révélation, ça va être le concernant, lui. C'est pour ça qu'on a plusieurs domaines, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Voilà, avec qui, vous voyez, avec cette carte que l'on avait de symbiose, avec qui il est en lien pour son profit, en détruisant, en mettant l'Armageddon sur le peuple. Et j'ai l'impression que c'est sur sa personne même, hein. Pour nous, la générosité, le courage, la manifestation des rêves. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, d'accord, dès lors que l'on fera preuve de générosité, c'est-à-dire que on ne se jettera pas les uns comme les autres ce qu'ils souhaitent, mais plutôt que l'on s'unira et que l'on aura le courage, d'accord, hein, on a l'érable et le tremble, on aura le courage aussi de faire trembler le pouvoir. Nous aurons l'espoir, nous verrons nos rêves se manifester. J'ai de la joie, de la protection. Dans quoi? C'est il n'y a que là que nous aurons la joie et la protection par le biais du pouvoir. C'est-à-dire en ayant le courage de se manifester, en ayant le courage de faire trembler le pouvoir et en étant main dans la main, pas les uns contre les autres. J'ai le changement. La concentration, la force, ouais. Il faut vraiment se concentrer sur le changement, avec force. Pas sur la division, pas sur toi tu portes telle écharpe, toi telle autre. C'est vraiment se concentrer sur le changement. On a tous cette envie de changement. Je pense que personne ici ne veut du bazar qui est là. Ceux qui souhaitent le bazar, ceux qui s'en nourrissent, ceux qui le font, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur conviction, n'ont rien, c'est pas leur place dans la rue, tout simplement. Et ça, quel que soit le bord, il faut bien comprendre qu'ici, on sème la division et le trouble dans la population pour servir Magouillon. Hein? J'ai demandé pour le peuple et pour lui, on va prendre juste trois cartes. La croissance, la liberté, nouveau départ. Ouais. Ben, pour lui, je pense qu'il va être libéré de ses fonctions. Avec le nouveau départ, on a un accroissement des libertés, ce qui laboure au plus haut point. Ça va l'amener à un nouveau départ. On regardera, d'accord, plus précisément les révélations le concernant. Hein, là, j'ai bon, évidemment pas trop le temps. Je vois derrière, là-bas, il y a Tic et Tac qui attend de moments. Hein. Mais bon, on y reviendra. Apparemment, ça va quand même être un petit peu sa fête, comme qui dirait. Allez, on va terminer avec un conseil du petit oracle des anges. Prière.
Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voyez, on sera aidé. Il faut pas croire, ça n'est pas insurmontable. On va y arriver. Et je vous dis, la semaine prochaine, on fera quand même, on regardera plus précisément à la fois sur ces deux toutours, elles. Et d'ailleurs, il faudra être très prudent. C'est encore un sujet qui est qu'on n'a pas trop le droit d'aborder, voyez-vous, hein, qui est bien, la censure rôde bien autour de ce sujet-là. Mais bon, on ira voir et on ira voir ce flot de révélations concernant Magouillon. J'essaie de vous retrouver. Voilà, me voici. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée. Hein, je vais essayer de terminer, de me reposer un petit peu. Et je vous dis à la semaine prochaine. On remonte en selle. Allez, gros bisous.